Yo les potes, nouvelle vidéo aujourd'hui, elle concernera le secret incroyable d'Adama Traoré pour être inarrêtable. C'est des infos exclusives que je vais vous raconter dans cette vidéo. Comme vous le savez, Adama Traoré est sur une progression juste énorme depuis qu'il a signé du côté de Wolverhampton. Sa notoriété est en hausse et il est clairement devenu un footballeur à la mode, que ce soit en Premier League mais également dans les autres grands championnats. Et dernièrement, on a eu la révélation d'un secret sur sa routine, un secret qui le rendrait inarrêtable pour les défenses adverses. Comme vous le savez, c'est un joueur avec beaucoup de qualités, c'est un joueur rapide, puissant, technique et également très physique, comme vous le savez. Du coup, les défenses de première ligue ont souvent beaucoup de mal à l'accrocher, et quand ils réussissent, c'est pas forcément une bonne chose pour le joueur de Wolverhampton. Je vais vous expliquer pourquoi. En tout cas, un proche du joueur a dévoilé une énorme info dans le journal anglais The Sun. Il s'agit d'une stratégie faite pour éviter les blessures du joueur espagnol. En effet, cette saison, Adama Traoré a subi 4 blessures au niveau des épaules, le plus souvent des luxations. C'est un joueur qui est très souvent en contact avec les défenseurs adverses, et vu qu'ils ont du mal à le rattraper, il tire la plupart du temps sur ses bras, ce qui provoque, comme vous le savez, des luxations. Et pour éviter les blessures, le staff a eu une plutôt bonne idée, je trouve. En effet, avant chaque match, Adama Traoré se met de l'huile sur les bras, et ainsi, quand un adversaire l'accroche par le bras pour l'arrêter, il glisse et il ne réussit pas à le stopper. Après, tout simplement, un membre du staff a expliqué que c'était pour protéger le joueur et éviter les blessures. Alors c'est vrai que c'est quand même une stratégie plutôt astucieuse, on va pas se mentir. Est-ce que selon vous, c'est un peu de la triche ou non? Puisque c'est vrai que ça rend un peu plus compliqué pour les défenseurs adverses de l'accrocher et de le stopper. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Donc voilà, vous en savez un petit peu plus sur la routine d'Adama Traoré. N'hésitez pas à lâcher le petit like, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si c'est toujours pas fait. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Spanox. Allez, salut tout le monde.